Et bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live un petit peu à l'improviste ce soir, live qui va servir une cause comme vous pouvez le voir, une cause qui peut toucher tout le monde, une cause qui peut ne... Voilà, enfin vous toucher. La petite Julia qui a des soucis de santé, qu'elle conserve malheureusement. Et du coup, ce soir, les pilotes et nous tous serons là pour elle. Petite dédicace du coup à la famille et toutes nos prières et nos soutiens pour eux. Voilà, les pilotes qui sont là également. Pour la petite Joya ce soir, on sera du coup dans un combo un peu particulier. On fera des qualifications Toyota Supra, ce sera toujours en GR3. Toyota Supra qui servira du coup de voiture pour les qualifications. 10 minutes de qualification. Ensuite, les pilotes choisiront leur voiture, soit Ford GT ou Nissan GT-R. C'est le combo de ce soir. On sera sur Moon Panorama avec un horaire clément. Il fait jour, il fait beau, en espérant pouvoir que ce soleil apporte également un peu de soleil à la famille. On va attendre un petit peu que d'autres pilotes arrivent. Dans tous les cas, 21h15, on lancera les qualifications. Merci à toi Nico, bienvenue sur le live. Merci pour l'initiative. C'est normal si on peut s'affronter pour des bonnes causes. Parce que ça fait marcher la solidarité, l'humanité des gens. C'est surtout dans ce sens-là que je disais les choses. Allez, on va partir du coup pour ces qualifications. Je rappelle, 10 minutes. Donc on aura 10 pilotes ce soir. Sur la piste, on partira après ces 10 minutes de qualification pour 1 heure de course. Et c'est du coup Enfez, le premier pilote à s'élancer, pilote de la Honnet. On aura également Akatan de la GTS, Juju Vio
Et Fantomas de la FRGT, Rebels, l'autre pilote de Alaone, Gentoy, juste derrière, Vodka, One Day, pilote indépendant, Bourville de la Storm également présent, et Moons pour compléter du coup ce plateau. Merci encore vraiment à tous d'être là. Salut à toi, David. On va rester un petit peu avec avec Enfez. Des pilotes de la FRGT qui se suivent, Fantomas qui va pouvoir probablement profiter de la spin s'il reste derrière dans le prochain tour. On rappelle que les pilotes ne vont pas avoir beaucoup d'essais pour ces qualifications, le circuit étant relativement long. Allez, Enfez qui s'élance pour son premier tour rapide. On va rester avec lui. Fez bien amené à l'attaque sur ces virages, qui veut, ça sent directement faire un gros chrono tout de suite. Réussit parfaitement l'enchaînement de virages, très compliqué hein, cet enchaînement à gérer, mais parfaitement géré par une Fez. Allez, maintenant la longue ligne droite. Merci Alexis. Et courage Moons, on va lui souhaiter, comme on le souhaite à tous les pilotes. Présent d'ailleurs. Voilà, du coup, Enfez qui va attaquer, qui va finir pardon, son premier tour avec voilà un très gros chrono déjà, 2 minutes 734. On va voir si les deux pilotes de la FRGT vont suivre Juju, 2 minutes 03. Pareil pour Fantomas, 3 secondes du coup derrière le pilote de la Honda Enfez. Rebels, l'autre pilote de la Honnay en 2-4-772, qui restera du coup pour l'instant derrière les deux pilotes de la FRGT. Akatan 2-0-6 pour l'instant en premier tour. Bourville sera le prochain. Et comme je vous disais, il reste déjà plus que 5 minutes, on est déjà à la moitié de ces qualifications. Ça va très vite, pas beaucoup d'essais pour les pilotes. Et bon, du coup, de la Storm qui va passer la ligne avec un 2-0-7-822. Je place pour l'instant du coup en 6e position.
Williams avec un 2 minutes 11. Wanley juste derrière, 2 minutes 8, 230 pour le pilote indépendant. On va voir ce que John Toy va réussir à faire. Et voilà, John Toy, 2-4-807, ça le place en 5e position. Voilà, un peu pour les classements provisoires après ce premier tour, avec Enfez pour l'instant, pole position pour Enfez. Est-ce qu'il va réussir à battre son premier chrono? Oui, 2-2 dixième quasiment, 2-0-537. Les deux pilotes de la FRGT qui rentrent au stand pour retenter tout de suite un seul et unique tour rapide après. Rebelle, c'est ce que ça va améliorer. Oui, de 7 dixièmes pour Rebelle, ce qui reprend du coup la quatrième place. Akatan, 2-0-4-232 qui améliore et qui du coup passe provisoirement 5e devant John Toy. On va suivre le pilote de la Storm Mobile. Et Storm qui va améliorer son chrono pour faire un 2-0-4-950 qu'il place du coup en 7e position. On va voir ce que font Wanday et Moons. Enfez également au stand. Et malheureusement, John Toy qui a une petite urgence qui va probablement devoir nous quitter. C'est normal, c'est compréhensible. IRL avant tout. Et du coup, Moons qui a raté son dernier virage et Wanday également. Espérons que ne ce soit pas les messages, mais je crains que ça ait un peu perturbé quand même. Il nous reste 1 minute 45 de qualification. Les deux pilotes de la FRGT du coup qui vont rentrer dans leur tour rapide. Rebels qui lui profite de l'aspiration des deux pilotes. On va voir du coup si ça va lui permettre d'améliorer son chrono. 2-0-3-842 pour Rebels. Attention, du coup, va pas falloir non plus gêner les deux pilotes de la FRGT qui rentrent dans leur tour rapide. Akatan au ralenti, du coup, voilà, qui du coup va arrêter ses qualifications là. Et Bourville qui améliore de 4 dixièmes et qui prend du coup la sixième place à John. Mais comment c'est, hein, John va malheureusement devoir nous laisser certainement, malheureusement. Il ne reste plus beaucoup de pilotes, à part les deux pilotes là de la FRGT en tour rapide. Fantomas qui laisse passer du coup Rebels. On va suivre du coup voir s'il arrive à améliorer
Ça améliore 2-0 de 603. Deuxième place pour Jujuvio. Rebels qui reste 4e. Fantomas 3e. Qualification du coup terminée pour ses pilotes. Pour Akatan également. Bourvil toujours dans son dernier retour rapide. Wenday c'est terminé pour lui également. Moons aussi. Enfes terminé comme on disait. Juju. Reste du coup plus que Bourvil en piste. J'avais pas vu le chrono actuel de Bourvil, légèrement en retard, je dirais. Enregistrer du coup le tableau des tours. Et on aura du coup Enfez en tête, suivi de Jujuvio, Fantomas, Rebels, Akatan, Bourvil, One Day, Moons et Vodka. Gentay malheureusement qui ne pourra pas prendre part au départ. Ah, déjà, du coup, 3 Ford GT, 3 Nissan de choisi. Je pense qu'on va avoir une course du coup plus, vraiment équitable dès le départ. Il n'y aura pas besoin de départager via les qualifications. Je vais juste réguler les paramètres. Bonsoir à toi Audrey, c'est normal. C'est entièrement normal. Alors, j'ai préparé la grille. Ah oui, forcément. Du coup, Enfez en tête et nous aurons du coup Jujuvio. Deuxième suite, Fantomas, Rebels, Akatan, One Day, Moons et Vodka.
essayer de voir quand même si John peut prendre le départ. Et sinon, je lancerai cette course en l'honneur de la petite Joya. Une heure sur Moon Panorama. Nickel. Et ben, du coup, c'est parti. C'est parti du coup pour une heure de course en Moon Panorama. Ford versus Nissan. 4 Ford, 4 Nissan. Qui des deux constructeurs sera le plus fort ce soir? Réponse dans une heure. On part en départ lancé. Et du coup, Enfes qui partira en tête de cette course, suivi de Jujubio, Fantomas, les deux pilotes de la FRGT, Rebels, Akatan, One Day, Moons, Vodka. Et c'est parti! Enfes qui va pouvoir attaquer ce premier virage. Et assez tranquillement. Attention, Jujubio qui a failli partir un petit peu à la faute. Derrière les Ford de Rebels, c'est Akatan. One Day. Moons qui a choisi également la Ford et qui se fait attaquer là par la Nissan de Vodka. Enfes qui... Attention derrière, Jujubio qui est parti en glisse. Alors qu'il a les deux Ford de Rebels, c'est Akatan juste derrière lui. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé là pour juger à la Reaxel. Ah, il s'est fait choquer un petit peu par le pilote de la Nissan, malheureusement, Fantomas. Enfes qui s'échappe là, déjà, avec 4 secondes. Jujubio qui voit là un train derrière lui, il y met la pression. Combien de temps il va résister? Attention, la Ford! C'est la Ford de Katan, il me semble. On va essayer de voir ça. Il a emmené la Nissan de Vodka également. On va regarder ce qui s'est passé là pour les deux pilotes. Ah, il me semble que c'est Vodka, malheureusement, qui a percuté à Katan, qui lui a fait perdre le contrôle. Et c'est pour ça que d'ailleurs que Vodka attendait, hein, juste devant, et voilà, Katan qui s'excuse. Allez, il y a une heure de course, il y a le temps. On a toujours Enfes, voilà, qui termine le premier tour en tête avec 5 secondes 6 d'avance sur le pilote de la FRGT, Jujubio. Mais attention, il a Rebels de la Honey en Ford GT juste derrière lui à l'affût. Fantomas en 4e position. One Day, le pilote indépendant, 5e. Moons, pilote de la GTS, qui aura pris un bon départ, qui se retrouve en 6e position. Et du coup, malheureusement, Vodka et Akatan, 7e et 8e, suite à cet accrochage. Enfes qui s'est définitivement envolé pour l'instant, 6 secondes d'avance. Sur Jujubio, on va voir combien de temps les pilotes vont mettre à prendre rapidement le rythme. On espère pour eux, parce que sinon ça va être compliqué pour aller chercher une phase.
C'est déjà de base compliqué pour aller le chercher. Attention, là, les deux pilotes là, qui se rapprochent et ça va batailler. Jujubio qui continue de faire des petites glissades. La Ford qui va probablement à l'aspiration réussir à passer la Nissan. Et le pilote de la FRGT qui défend bien sa position, empêchant Rebels de passer. Instant, unique bataille actuellement entre les 8 pilotes en lice, mais grosse bataille. Et attention, Jujubio qui repart encore presque à la faute. Voir Rebels se juste derrière lui, faut supporter la pression. Petite touchette. Sur le mur, des petites glissades par là. Attention, ça peut coûter cher. Ford dans la ligne droite qui va probablement faire parler son moteur de nouveau. Pardon. A voir si Jujubio va réussir à défendre comme au tour précédent et garder sa deuxième position. Mais pour l'instant, défense réussie pour le pilote Nissan. Et derrière, du coup, en quatrième position, toujours Fort Thomas. Vodka qui a entamé sa remontada en cinquième position. Wenday sixième. Moon septième. Et Akata ne pourra pas réussir à suivre, du coup, la remontée au même rythme que Vodka, qui est actuellement toujours, du coup huitième. Et Enfez qui s'envole littéralement. 13 secondes d'avance pour le pilote de la Honnay. La Nissan, je sais pas qui la connaît, mais c'est presque sa meilleure amie sur Gran Turismo. La connaît par cœur. Et du coup, j'allais dire Jujubio qui a réussi à prendre un peu d'écart sur Rebels, mais qui continue de faire des petites fautes tout en gagnant du temps sur Rebels. Un peu à l'attaque là, le pilote de la FRGT. Faudrait pas que ça lui coûte cher.
l'écart continue du coup de se creuser entre les deux pilotes. Du vieux pour après l'ascendant sur le pilote de la Honey. Derrière, on a toujours Fantomas avec Vodka qui tente de remonter au devant de la course, qui fait des chronos relativement rapides par rapport à Fantomas, Rebels et Jujuvio. Et Fantomas qui part à la faute à l'instant, ça va certainement profiter pour Vodka qui va pouvoir se rapprocher encore un peu plus. Un peu plus de deux secondes entre les deux pilotes. Rebels qui continue de se faire un peu distancer par Jujuvio. Alors qu'on a maintenant 16 secondes d'écart entre les deux premiers. Enfes qui vient de faire le meilleur temps autour et qui a encore une amélioration sur le premier secteur. Vraiment à l'aise le pilote de la Honey là ce soir par rapport à ses concurrents. Et voilà, Vodka moins de 2 secondes maintenant de Fantomas, il l'a vraiment à vue. Thomas, voilà, tu fais des petites erreurs en sachant que Vodka revient sur lui comme une flèche. Et voilà, Vodka qui passe Fantomas. Vodka qui se retrouve du coup maintenant quatrième, qui continue sa remontada. Et Fantomas qui part à la faute, qui pourra pas du coup défendre ne serait-ce qu'un peu, essayer de récupérer sa quatrième. Vodka qui a maintenant Rebels en ligne de mire à 5 secondes. On regarde les chronos sur les 3 derniers tours. Vodka qui est largement plus rapide que Rebels et devrait arriver à le rejoindre assez rapidement. Du coup, on a Fantomas en 5e position, One Day 6e. Thank you, Tazos. And welcome on the ride. On va essayer de suivre Vodka. Ah, Vodka, malheureusement, qui part à la faute au moment où on se met sur lui. Dommage. Il avait repris déjà presque une seconde sur le pilote Rebels. Vodka qui
pas pour autant. Il y a un raid du leader Unfaze. On va voir ce que fait Juju. Si décide de continuer, passer au stand. Est-ce qu'on profite pour mettre de l'essence? On va voir jusqu'où les trois cartes. Et Juju qui a décidé de continuer. Un Katan encore parti à la faute. Et Juju du coup qui se retrouve à encore assez moins malheureusement d'Unfaze. Tout petit peu moins de 10 secondes avec un arrêt bientôt à venir pour le pilote. Même si tu vois votre car fondre sur lui, que 3 secondes 5 d'avance sur votre car. Même tant qu'on peut. Un Katan au stand. Difficulté ce soir les Katan. Moons du coup 7ème à 6 secondes de One Day. Fantomas en 5ème position. Et Vodka qui a passé la barre des 3 secondes. Moins de 3 secondes entre Rebels et Vodka. Et toujours un rythme plus rapide pour Vodka au niveau des chronos que Rebels. Devrait être sur lui. Pense au prochain tour. À la fin du prochain tour. Même plutôt Rebels et Vodka, les deux pilotes qui passent au stand. On va voir les stratégies du coup. Qui remettra plus de sens. Alors qu'on a un pilote derrière, c'est Fantomas. Il me semble qu'il a raté l'entrée des stands. Et les deux pilotes. Rebels, c'est Vodka qui sort quasiment simultanément. Ça permet à Vodka du coup de se rapprocher encore un peu plus. Il a gagné une seconde grâce à cet arrêt au stand. On va regarder du coup ce qui s'est passé pour Fantomas. Ah, malheureusement, il s'est un petit peu raté à l'entrée des stands. Ça profite à Moons pour prendre la 6ème place, mais va devoir s'arrêter incessamment sous peu. One Day du coup 5ème. Et on va rester avec Vodka et Rebels. Voilà, c'était prévisible. Vodka qui est remonté sur Rebels et qui va du coup pouvoir probablement lui prendre la 3ème place assez rapidement au bout de rythme. A voir comment Rebels va défendre sa position. Nissan avec l'aspiration, un petit coup de main et Vodka qui passe, voilà comme prévu. Rory encore et qui va certainement pouvoir passer devant Juju. Toujours au stand.
qui attaque son virage. Et les deux pilotes, Vodka Rebels qui ressortent devant le pilote de la Pergerté, Jujubio. Tout de suite, Vodka qui va essayer de prendre l'écart. Merci, et dommage à toi, hein, John, que t'aies pas pu prendre part au départ. Entre Rebels et Jujubio, qui va pas vouloir lâcher l'affaire comme ça. D'aspiration, on reprend la troisième place à Rebelle, c'est pas compliqué quand même, il a l'air assez loin. Peut-être là au freinage, non. Rebelle qui ferme bien la porte à Jujubio, mais qui se laisse pas faire. Et Jujubio là, l'attaque à l'intérieur, et ça passe pour Jujubio qui va peut-être sortir un peu large. Rebelle qui va pouvoir en profiter à la réaccélération. Un freinage, c'est chaud entre les deux pilotes là, et pour l'instant avantage Jujubio. Encore Jujubio et Rebels. Et Rebels qui prend là les devants sur Jujubio. On va regarder vite fait ce qui s'est passé en vue extérieure. Petit choc de Jujubio qui permet à Rebels et la réaccélération de repasser devant. Rebels qui est parti complètement à la faute, qui a mis une roue dehors, et voilà la faute pour Rebels qui du coup va prendre énormément de retard sur Jujubio. Cette bataille a permis à Vodka de vraiment s'éloigner maintenant, de prendre l'écart 7 secondes entre Vodka et Jujubio. S'il sera capable d'aller chercher Enfez, ça paraît compliqué quand même sur les derniers chronos qu'Enfez nous sort. Merci à toi Chris, bienvenue sur le live. On essaye autant que faire marcher la solidarité, l'humanité des gens. Lui qui donne tout pour la cause, 36 secondes d'avance sur Vodka, deuxième, Jujubio, troisième, Rebels, quatrième, Fantomas en cinquième position, Wendai toujours sixième, et à chaque fois des écarts entre les pilotes de deuxième moitié de peloton, Akatan en septième position, et Moons pour compléter.
Goebbels arrive à remonter sur Juvio. Moins de 4 secondes. Et 2 secondes 5 de pénalité pour Goebbels. C'est vraiment dommage pour le pilote de la Honda qui va là perdre énormément de retard encore sur Juvio. Qui n'arrive pas hein, par contre maintenant à réduire l'écart avec le leader Enfez. 38 secondes maintenant d'écart entre les deux. Peu de temps sur Jésus-Lion, mais qui a toujours une pénalité de 2 secondes 5 à purger. On va probablement en profiter des virages pour la faire descendre. Et Vodka presque seul au monde en tête de cette course. Va devoir bientôt s'arrêter. Vodka qui va pouvoir faire encore un ou deux tours supplémentaires. Et on a là Juvio qui se fait rattraper par Goebbels. On va voir ce qui est. Si Juvio a pas eu des soucis au premier virage. Il y avait 3 secondes d'écart quand même entre les deux pilotes peu de temps avant. Là, du coup, Goebbels qui prend l'avantage assez facilement, du coup. On va regarder, essayer de voir ce qui s'est passé. Juvio qui est sorti un peu large, qui a pris le vibreur. Il perd beaucoup de vitesse en ligne droite. C'est fatal, malheureusement. Et du coup, ça permet à Goebbels de récupérer la troisième place, mais toujours avec une pénalité de 2 secondes 5 sur la tête. On va devoir vite, il va falloir l'enlever. Qui prend encore l'écart du coup, 12 secondes 5 avec son poursuivant. Comme à son arrêt précédent, les trois quarts du plein. Qui est reparti pour certainement son dernier tour avant son arrêt également.
qui a repris le dessus sur, sur Rebels. Malheureusement, bon, on pourra pas revoir ça. On a raté, raté ça. Je suis vraiment navré. Essayer de suivre ces deux pilotes quand même un peu plus, puisque depuis tout à l'heure, ils se lâchent vraiment pas. Deux courses déjà se sont écoulées et restante Unfez, leader incontesté hein, pour l'instant, parti en pole, il faut déjà 27 secondes d'avance sur Vodka qui va s'arrêter à la fin de ce tour. Jujuvio en troisième position, mais en bataille hein, depuis plusieurs tours avec Rebels, s'échange les positions. Fantomas en cinquième, Wendy pilote indépendant en sixième position. Moons de la GTS en 7ème suite à l'arrêt d'Akatana à l'instant qui complète cette grille. On se voit tout de suite du coup sur, sur Juju et Rebelle en bataille encore et encore. Repasser devant le pilote. Et ça va être fait pour les deux pilotes. Vodka qui est toujours au stand. Il sort seulement. Juju et Rebels qui se retrouvent deuxième et troisième respectivement. Avantage stand pour l'instant. Voilà Rebels hein, qui va probablement devoir rentrer à la fin de ce tour. Proche en pleine ligne droite, attention parce que c'est Vodka hein, derrière qui continue de remonter sur eux. Du Rebels qui va de toute façon probablement devoir passer au stand. Quand même, ça allait être risqué quand même pour le pilote de la haute. Hey, qui se rate à l'entrée des stands. Ça coûte très cher ça, ces petites sorties. Donc, plus qu'à moins de 4 secondes maintenant de Jujuvio. Jujuvio qui reste 2-3 tours maximum, maximum d'essence. Et à l'approche de la fin de course, il reste 25 minutes. Les stratégies vont commencer vraiment à se mettre en place. Alors voilà, Fantomas du coup, qui effectue aussi son arrêt. Il est toujours en 6ème position. Katana qui a pris le dessus sur Moons qui se retrouve en 7ème. Courage Moon, c'est la 25 minutes.
est loin, loin d'être fini. Tout est arrivé encore. Même pour Enfez, le leader, 50 secondes, ça paraît quand même compliqué, fait pas trop depuis tout à l'heure, la régularité parfaite. Et bah voilà, et voilà, au moment où je dis ça, Enfez qui part à la faute. Rien de grave heureusement pour lui, mais comme quoi, faut rester vigilant jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je rappelle, les dégâts sont légers, donc pas trop de perte de temps en cas de dégâts, mais quand même. Jujubio, du coup, toujours deuxième, mais pour combien de temps? Il a Vodka maintenant à moins de 2 secondes de lui. Et avec un arrêt qui approche. On va voir par contre si Rebel se va profiter d'être seul pour gagner du temps et probablement ressortir devant Juju après son arrêt stand. Sortie de piste d'Akatan et ça profite à Moons qui repasse devant. La sortie un peu large qui prend le vibreur et ça pardonne pas malheureusement. Et voilà, on va rester avec les deux pilotes et Vodka qui prend le dessus sur Jujuvio après sa petite glissade. Perte de vitesse et ça profite au pilote de la GTS qui reprend la deuxième place. Jujubio en plus qui va devoir bientôt passer au stand. Ça va permettre à Vodka de bien sécuriser sa position pour le prochain arrêt. Prochain arrêt et dernier arrêt normalement de cette course. Ce stand, Akatan qui va pouvoir reprendre la 7ème place. On va rester avec Jujubio, voir la stratégie, voir s'il passe au stand maintenant au tour suivant. Il va techniquement pouvoir faire un tour supplémentaire, mais est-ce que l'usure des pneus ne lui fait pas perdre trop de temps par rapport à Rebels? Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de rentrer au stand maintenant? J'ai l'impression que non. Un tour supplémentaire encore pour Jujubio. Heureusement que Rebels, pour l'instant, est pas sur des tours non plus très très rapides. Que c'est 23 secondes entre Jujubio et Rebels qui va profiter cet écart à Jujubio ou à Rebels.
Allez, c'est le moment pour Juju Bio. Faut pas se louper là. L'entrée, il se loupe, Juju. À même façon que Rebels au tour d'avant. Et du coup, ça profite forcément à Rebels. À lui de mettre les gaz et de profiter de la situation. Qui est là en train d'en mettre l'essence. Rebels qui attaque le virage et voilà, c'est fait pour Rebels qui va ressortir largement devant le pilote de la PRGRT. Presque 4 secondes d'avance pour Rebels qui réalise là un beau coup à presque un quart d'heure de la fin. Et bonne soirée à toi aussi, David. C'est normal, le soutien. Comme dit, tant qu'on peut faire marcher la solidarité, l'humanité des gens, faut en profiter. C'est pas parce qu'on est sur des courses automobiles ou la compétition, la promotion sont présents que ça peut pas être pour une cause juste. Les pilotes donnent tout, ils sont eux à fond pour cette cause, comme dit tout à l'heure, avec Enfez hein, qui réalise là des gros chronos, qui met 56 secondes d'avance sur Vodka, même, hein, qui pourtant réalise des tours rapides. Il ne se suffit pas pour aller chercher le pilote de la monnaie. Rebels 3ème qui a perdu là un peu de temps quand même sur Juju Bio. 3 secondes maintenant entre les deux pilotes. Antonmas du coup en 5ème position, Wenday 6ème avec Akatan pas très très loin de lui, mais on le voit qui vient de faire une petite sortie. On va regarder, essayer de voir en tout cas ce qui s'est passé à Akatan, voilà là qui est sorti trop large et en glisse. Course compliquée, difficile hein, malheureusement pour Akatan ce soir. Allez quoi, il reste plus que 15 minutes. On soutient, on est là. Et ça va certainement du coup profiter à Moons qui se rapproche. La Katane est en amélioration en plus sur ses chronos. Malgré le drapeau bleu, la ligne droite va permettre de laisser passer tout ça. Enfez du coup au stand qui va refaire le dernier plein pour aller jusqu'au bout. Et Vodka du coup là qui va prendre un tour également à Mounts. En 7ème position, on a pas vu, mais Rebels qui a pris le dessus toujours sur qui a perdu du retard pardon sur Juju Bio, presque une seconde maintenant seulement entre les deux pilotes. Le pilote de la Fergente qui prend clairement le dessus là.
se rapproche toujours, toujours plus dangereusement de Rebels. Mais il commence à avoir la pression là sur lui. Il sait qu'en plus, c'est le dernier quart d'heure. C'est pas le moment de partir à la faute. Stand pour lui aussi effectuer son dernier arrêt avec largement une avance suffisante pour rester en deuxième position et en tout cas la tenir s'il fait pas de faute jusqu'au bout de la course. Bonsoir à toi, Servet. Bienvenue sur le live, en espérant que ta soirée s'est bien passée. On arrive alors qu'il reste 12 minutes de course, et depuis le début hein, quasiment de cette course, la vraie grosse bataille qu'il y aura eu, c'est entre ces deux pilotes, Rebels et Jujuvio, s'échangent les positions depuis tout à l'heure. S'échange les rythmes aussi, un coup c'est Rebels plus rapide. Et là c'est actuellement Jujuvio qui est plus rapide que Rebels. Je dirais au meilleur moment, à la fin de cette course. Bon, on peut vraiment pas faire la faute qui peut coûter cher. Voilà, en parlant de faute, la petite glissade à Rebels qui profite du coup à Jujuvio pour récupérer la troisième place. Chèlement un virage qui est compliqué, on le voit, qui entraîne du coup Rebels en glisse. Ça va pour le pilote de la Honey, il a perdu un peu de temps, mais il reste quand même dans les roues de le pilote de la VRGT. Et Rebels rentre au stand. On va devoir commencer à faire la tête et il rentre correctement ce coup-ci. Lui qui va pouvoir certainement terminer la course, aller jusqu'au bout. Pour effectuer du coup une meilleure stratégie. Dommage pour le pilote Rebels qui se battait bien. Et c'est ce qui compte, Servet, que le cœur y soit. Je sais qu'il y avait beaucoup de championnats de prévu ce soir, que ce soit la Rover. La C7 et d'autres bien sûr. Mais vraiment voilà, comme dit, c'est le cœur qui compte. Et les pilotes ce soir en tout cas ont remis tout leur cœur. Et si on peut dire, c'est une phase qui a mis le plus pour l'instant. En tout cas, c'est celui qui performe le plus avec 57 secondes d'avance sur le deuxième Vodka, là qui est sur le point de prendre un tour à One Day ou Fantomas, pardon.
Vodka du coup en deuxième position. Jujuvio qui a réussi du coup à s'écarter de Rebels et à pouvoir voir cette fin de course plus tranquillement. Dommage pour le pilote Laonet. On aura vraiment tout donné dans cette bataille avec Jujuvio. Et du coup Fantomas en cinquième, One Day indépendant qui occupe la sixième place. 40 secondes d'avance sur Akatan qui devrait lui suffire. Comme du coup Akatan 7ème. Et Moon 8ème, mais c'est pas fini entre les deux avec 3 secondes. Rien n'est fait. Attention, alors là on a Vodka en violet sur le secteur. On va voir si ça tient encore pour lui dans 6 millièmes de retard. Ça va être compliqué. Sachant que c'est déjà des gros chronos que réalise Enfez. Un dixième, 132 millièmes d'avance sur son chrono pour Vodka. Si on obtient 2-1-358, pour l'instant ça suffit toujours pas pour aller prendre le meilleur temps à une phase. De 1-436, voilà, comme dit, ça suffira pas pour prendre le meilleur tour. Malheureusement là qui part à la faute, attention pas partir trop en faute, ça pourrait profiter à Rebels, mais non ça devrait aller. Petite frayeur pour le pilote de la PRGT quand même. Il reste 3-4 derniers tours pour les pilotes selon leur position sur le circuit. Enfez qui devrait être assuré largement de la victoire à moins d'une hécatombe. La victoire lui paraît assurée. Vodka. Belle régularité, une belle remontada, partie de fond de grille pour le challenge, il faut le dire. Qui est là deuxième. Malgré tout, voit Rebels revenir un peu sur lui. Il y avait 15 secondes d'écart entre les pilotes au début de ce tour après la sortie la frayeur de Jujuvio. Ça serait terrible pour Jujuvio de se faire chipper la troisième place en cette fin de course. Je rappelle, hein, les pilotes. Ça fait 55 minutes maintenant qu'ils sont partis pour soutenir la petite Joya. Thomas, One Day, Akatan qui aura réussi à prendre le large, ça y est, sur Moons et pouvoir potentiellement s'assurer la 7ème place. Attention, hein, toujours pareil. Sur la dernière petite faute.
l'écart qui se stabilise entre Jujubio et Rebels. On reste plus ou moins autour de 13 secondes. Unfest entame à mon avis son avant-dernier tour de sa position sur le circuit et qui bat encore son meilleur temps sur le dernier tour, 2 minutes 652. Mais la barre des 1,59 ne sera pas tombée ce soir. Après l'usure des pneus permettait peut-être pas forcément. Qui a franchi la barre des 1 minute d'écart avec Enfez. Une position sur Woods. Qui se réduit pour ses avant-derniers tours entre Rebels et Jujubio. Fantomas qui partira encore pour 2 tours, et attention parce que certains peuvent avoir été surpris avec l'essence. Et Rebels, mine de rien, à 10 secondes, moins de 10 secondes maintenant de Jujubio. Il leur reste encore un tour à parcourir. Attention à pas se mettre trop de pression. Parce que là, c'est en train de coûter des secondes qui peuvent être fatales à la fin. Dernier tour pour la majorité des pilotes. Fantomas, lui, qui va partir encore pour un tour. Ouais, qui franchit la ligne. Et ce sera donc One Day, le premier à terminer cette course. On va rester sur Jujubio quand même, Il y a toujours Rebels, à moins de 10 secondes, ça peut paraître énorme comme ça, mais Jujubio qui part souvent en petite vie, souvent en petite faute, comme là encore à l'instant, qui permettent à Rebels de grappiller encore. Et voilà, là, le vibreur qui est pris par Jujubio. Ça peut être fatal, hein, vraiment, ces petites erreurs. Félicitations à One Day, premier pilote à terminer cette course. 1h, hein, on rappelle, de course, vodka. Deuxième, félicitations au pilote de la GTS qui aura fait une grosse course, une grosse remontée.
ensuite Akatan qui va franchir la ligne d'arrivée dans la difficulté, mais qui aurait eu l'honneur de terminer cette course. Et voilà, du coup, Jujubio qui voit la fin de cette course arriver également, et la troisième position. Bien joué à toi. C'était sous pression à la fin, mais t'as réussi pour la troisième, et Rebels, quatrième. Et Enfez, grand vainqueur de cette course, affrontement Ford versus Nissan. Moons également, bien joué à toi jusqu'au bout. Dire que vraiment tous vous aurez rendu un beau soutien. Et voilà, Fantomas qui complète du coup cette grille. Félicitations à tous les pilotes. Merci d'avoir été là et bien joué Enfez. Gros vainqueur ce soir. Les pilotes, bien sûr. Allez, je vais vous rappeler du coup les résultats de cette course. Enfez qui remporte cette manche avec Vodka en deuxième position. Jujubio, en troisième position. Rebels de la Honnay en quatrième position. Fantomas cinquième. One Day pilote indépendant sixième. Akatan et Moons qui complètent cette grille. Et on peut dire du coup que c'est une forte domination des Nissan sur les Ford. Et à voir si d'autres affrontements seront mis en place comme ça. En tout cas, l'idée, c'était vraiment de soutenir au maximum la petite Joya et sa famille, de faire une course en leur honneur, en espérant que vous aurez apprécié cette course d'endurance. Et en attendant, on se retrouve samedi soir pour la GT Fusion, pour l'idée manche qui live qui démarra autour de 20h30, 21h, en espérant que vous allez passer une bonne fin de soirée, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.